Et re YouTube, on est sur ce jeu là, comment il s'appelle déjà? Faut que j'arrête cette blague. Faut que j'arrête cette blague. On est toujours sur Necromunda, Higher Gun, et là on va aller continuer la suite de l'histoire. Tout simplement, on s'est fait un peu de d'argent. On a réussi à faire une classe A enfin. Ça y est, c'est bon. On est passé niveau 6 et on va essayer d'améliorer un petit peu notre perso. C'est pas encore si j'améliore le Mastiff. Je vous avoue, je l'appelle beaucoup en vrai, mais juste pour scout les ennemis. Et c'est tout quoi. Pas vraiment. Donc on est de retour à Martyr's Ouais, c'est End. elle. Elle a tué le vieux Brexo, tu crois? On a des nouveaux. On a des nouvelles armes disponibles. Ces Yulanti deviennent. Toi, dis-moi. J'ai Ouais, besoin que tu sur jettes moi. un œil à mes Sur bioniques. moi. Je veux plus d'énergie, je veux plus de champ de force. Merci. Ça coûte masse. Champ réfracteur, niveau 4, il me faut 116 000. Ok. Être niveau 3 à 4. Non, c'est pour aller du niveau 3 à 4. Ok, ça fait valeur plus 10. Mais là, là, je suis pas mal. Cérébral. Ces implants vocaux que j'aimerais bien avoir. Mais pourquoi? Attendez, niveau 1 et 2. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Du coup, j'ai l'argent. S'il me dit niveau 1 et 2, je peux pas. Donc là, c'est pareil. Là, je pourrais pas parce que 3 et 4, j'ai pas. Mais par rapport à quoi? Améliorer niveau 3 et 4. Mais 3 et 4 de quoi? Comment pas? Bah 0 à 1 niveau. Je comprends pas très bien qu'est-ce qu'il veut me dire. Bonus de santé. On va prendre un petit bonus de santé. Il me reste plus que 2000 à l'aide. Ça part si vite. Bon là on est plus résistant. On est plus résistant, on va faire ça. Ok. Ah oui, ça c'est l'arme de tout à l'heure. Et ça c'est l'arme légendaire. Ok. Ici c'est un bar convivial. Excusez-moi. Pas de problème avec les Ouais ouais pas de problème, pas de problème, pas de problème. Montre-moi ce que tu peux faire pour moi. Ok, toi. Parce que pistolet bolter là, Oscar Machina, il est pas mal. Donc du coup on va lui mettre un archéothèque. Oh toxique, toxique, complètement. Un archéothèque toxique. Et on va lui mettre un porte-bonheur, genre lui là. Genre lui. Voilà. Est-ce que j'ai pas un chargeur standard ça? Plus de maniement mais moins de balles. Non. Le canon. Est-ce que j'ai pas quelque chose de mieux? Le canon long à acheter en vrai. Je vais mettre le canon long. Oh, celui-là il augmente la portée, augmente les dégâts. Ah ouais, celui-là il peut faire mal aussi. Ok. Donc ça c'est pas mal. On va tout simplement augmenter le basique. Striker, j'aime bien le Striker, j'aime beaucoup en vrai, mais changer le porte-bonheur. On va lui mettre un toxique plus 3. Il fait pas beaucoup de damage. Ça qui est chiant. Qu'est-ce qui pourrait augmenter mes dommages? Ça, c'est 5000. Je peux pas tout de suite. Ok. Lui, forcément, on va lui mettre un petit porte-bonheur un peu mieux que ce qu'on a. Hop, on va lui mettre un toxique 2. Viseur laser, comme on a dit, ça sert à rien. Ah! Modulateur de chasseur.
J'ai pas vraiment pu. Oui. Celui-là. Ok. Centrateur. En vrai, juste pour le style. Ouais, juste pour le style. J'ai plus d'argent. Mais c'était pour le style. En lourd, on a quand même ça, hein. On a quand même un gros truc en lourd, hein. On va mettre en incendiaire. Viseur laser, on s'en fiche. Ça, de toute façon, on n'a plus d'argent. Ok. Ah, mais il y a lui. Ah oui, mais ça, c'est mon bolter. Oui, c'est mon bolter normal. Attendez. Attendez une petite C'est minute. quoi le truc avec tous les mercenaires par ici? Ça le fait pas dire. Bonjour. Ça te fait plus de se battre simplement par loyauté? Ah, je peux pas cliquer. Faut que je lui Ça parle. peut J'ai être le oublié de temps lui d'aller voir parler. le vieux Le avant que vieux? Qui quelqu'un ça? d'autre n'y pense. Tu sais, je pensais que nous avions ramené un peu d'ordre par ici, vu que tu as éliminé un bon nombre d'Iron Vipers et que les autres ont été déclarés hors la loi. Et peut-être que c'est le contre-coup de tout ça, mais en tout cas, la situation est en train de dégénérer. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a mis une tête à prix, celle d'un guildeur. Quoi? Ah. Silver Talon, probablement. Mais la rumeur court sur un hors-la-loi qui offrirait un tas de crédits pour éliminer Aider Virax. C'est le frère de Maron. Donc, à mon avis, on peut affirmer sans se tromper que celui qui a tué Maron est aussi celui qui a mis cette prime sur la tête Oui, d'Aider. c'est valide. Ouais, bah, là autre chose. Combien pour la prime? Suffisamment. En plus, ça pourrait nous fournir l'occasion de mettre la main sur quelqu'un qui sait où se trouve Silver Talon. Tu veux toujours faire ça en solo? Tu me demandes mon aide? Plutôt un accord. Qui nous bénéficiera mutuellement. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu proposes? Mais lui, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas du coin, quoi, en fait. Genre. C'est vraiment. Je veux dire, toi. Un agent secret, quoi. J'ai quelques pistes à suivre sur ces Black Serpents. Tu es de la partie? D'accord. Mais vaudrait mieux que ça en vaille la peine cette fois-ci. Ok. La vendeuse, la vendeuse. Montre-moi ce que t'as. Et on bascule sur vendre. Ok. Et du coup, en vente, on va vendre ça. Attends, on va vendre tout ce qui est pas. Hop. Ah mais non, mais ça je l'ai. Ok, ça je l'ai utilisé, donc faut pas que je vende. En vrai, Ah, je peux pas le vendre ce truc. Donc ça c'est le Scar Machina, c'est pistolet bolter, et ça c'est un bolter. Du coup ce pistolet mitrailleur, il me sert plus trop. Il me sert plus trop. Le MMA, le MMA, je suis pas sûr, ouais, j'ai bien envie de le vendre. J'ai bien envie de le vendre, je vais le vendre. Ok. Ça, on va vendre ces trucs-là. Ok. Ça me paraît good. On s'est refait un peu d'argent, on s'est refait 5000. Fermé. Tac. Et du coup, ah mais il me redemande de parler à Il lui alors serait que. peut-être temps d'aller voir le vieux, Mais je viens de avant te que parler, quelqu'un gros. d'autre n'y pense. Quand t'es arrivé, c'était qui? Ah. Et c'était quoi le truc qu'il a fait? Comment il a fait pour disparaître d'un seul coup? Ah, parle du mec qui me chasse. Aurais-tu te demander la même chose? Non, aucune idée. Je ne l'ai jamais vu avant. Les Goliaths l'ont appelé Shadow. Tiens donc. Intéressant. J'ai probablement un ami qui pourrait trouver des Ah bah renseignements ça aiderait. sur lui. Peut-être que de son côté, la prêtresse en sait davantage. Ok, allons voir la barmaid. Ici, c'est un bar convivial. Je veux pas de problème avec les enfanceurs. Alors, Wild Shadow? Un Non, merde! mercenaire que j'arrête pas de Oh, penser j'ai cliqué trop vite. Excusez-moi. Je sais pas si c'est le même type, mais il y avait un chasseur de primes par ici il y a peu de temps. Il s'est rendu très impopulaire. Avec les hors-la-loi? Ça m'étonne pas. Bah ouais, mais pas seulement. C'est
subtil tout ça, tu sais. Ouais, c'est subtil. Je dirais qu'essayer de récupérer une prime pour gagner quelques crédits est une chose. Mais si c'est pour se faire un nom auprès des enforceurs, alors là, tu ne vas pas gagner au concours de popularité. C'était son truc ? Essayer de se faire remarquer par les enforceurs ? Tu crois pas qu'il travaille pour les hors-la-loi ? Les hors-la-loi ? Non, j'en doute. Pas que je me souvienne. Les enforceurs, les guilders, tous ceux un peu haut placés. Il s'était même mis en tête de se faire un nom auprès des nobles de la Spire. Mais je ne l'ai pas vu depuis un moment. Un long moment. Tu en veux un autre ? Ouais, vas-y. Wild... Non, vu ta tête, c'est un second best qu'il te faut. Encore ? Je bois que ça. T'as entendu parler de cette prime lancée par Silver Talon ? J'ai jamais vu un truc pareil. Mais tu sais, le guilder en question, Eider Virax, c'est le frère du guilder qui s'est fait tuer récemment, Maro. Ouais, quelqu'un en veut vraiment au Virax. Tu sais pourquoi ? Non. Les Virax se spécialisent en archéotechnologie. Et on dit que ça rapporte gros par ici. Depuis qu'ils ont découvert ce dôme effondré à quelques kilomètres. Ok. La moitié des gangs d'ici travaillaient pour les Virax pour les aider à contrôler le commerce. Mais que quelqu'un s'en prenne directement au Guilder, ça, c'est une autre histoire. T'en veux un autre ? Wild ? Non, vu ta tête, c'est un second. Et du coup, il me redit la même chose ? Que j'arrête pas de croiser. Un mercenaire ? Je ne sais pas si... Ok, elle dit la même chose du coup. Mais pas ça. C'était son... T'es hors la loi ? Non. Tu en veux un autre ? Bah non, du coup. Merci. Je devrais être bourré avec tout ce qu'elle m'a proposé là, du coup. Au bout du tout. Oh, je peux... Oh oui, je peux pet the dog. Eh, je t'ai pas modifié, hein. T'es nature, hein. Regarde, t'es nature. Je te modifierai pas, tu restes nature, ok. Tu bout tout ça. Choisir une mission. Et on continue l'histoire. Sur la sixième mission. C'est parti. On va choisir notre équipement, évidemment. Attendez, parce que... En vrai, proie d'armure, ça m'intéresse moins que ça. C'est lui, il a les résistances. Ok. Matériel, ça. Complètement. On prend ça en gun. D'accord. En lourd, on prend ça. Spécial, on prend ça, d'accord. Mais ça, c'est quoi comme, comme arme, du coup ? C'est une arme... Attends, c'est... Ah ça c'est mon arme de base, ok, et après je peux choisir, ok, d'accord. Donc là si je prends le sniper, je peux pas prendre mon striker. Et si je prends le lourd, je peux pas prendre mon striker. Donc du coup est-ce que, ouais lui il fait moins de dommages, on va prendre le striker. Hein. On va prendre le striker. Je vais m'acheter, ça c'est quoi, c'est... Personne ne sait si ces cartes sont réellement réelles ou fausses, mais elles montrent l'emplacement exact de quelque chose. Ah, c'est pour avoir du meilleur loot dans les coffres. Carte au trésor. Et ça, c'est des amorceurs. C'est pour ça, il y a des coffres qui sont piégés. J'avais pas lu ça. Du coup, il nous faut des amorceurs. Ok. Des kits de soins. Je fais le plein, hein, je m'en fiche. Hop. L'argent, ça s'arrête de dépenser. Go. C'est parti pour la mission 6. Incroyable. Continuez. Ok. Ah, ça m'a pas l'air... Ok, on va tester le bolter. Alors avec un badge de guilder, c'est ça qu'on peut obtenir, hein? Pas mal, une vieille citadelle. Ok.
Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, c'est vous. Cal Jericho vous envoie? Oui. On peut dire ça. Il dit que vous avez besoin de protection. Ah, c'est lui le Gilder. Il faudrait que je me sois fait un ennemi. L'assassin de mon frère, sans aucun doute. Ils ont mis votre tête à prix? Oui, c'est ce qui se dit. C'est une honte. Je suis resté en sécurité ici. Mais je sais qu'ils ne vont pas abandonner. Je m'attends à une attaque. Très bientôt. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Allez monter la garde. Qui pourrait vous attaquer ici? Les tirs au flanc. Je ne sais pas, mais ils offrent beaucoup d'argent. La plupart des gangs ne s'y risqueraient pas, mais quand même. Alors. Après, il y a un gang hors la loi là en ce moment. Il n'y a que deux entrées. Elles sont fermées toutes les deux. Ok. Il faut que vous montiez la garde. Voici leur Tarn, mon meilleur garde du corps. Il vous montrera ce. Eh ben, je crois qu'ils attaquent. Protégez la citadelle. Moi, je cours me mettre à l'abri. Défends-toi, quoi. Oh, ce bolter, quoi. C'est parti. Allez. Ah, finalement, j'aurais peut-être dû prendre le sniper, moi. Effectivement, il y a eu, là. On peut pas les taper. Patapata, patapata. Ils sont pas encore là, eux. Ils arrivent. Trop pratique, le chien. Mais ils sont en train de tuer tout le monde, moi je m'amuse plus. C'est terrible. Sinon, on a ça. On voit rien, donc du coup, on va pas l'utiliser. Il est puissant, mon gun de base, en fait, genre. Mais il... Ah, de bouger bizarrement aussi, toi. Ok. Je sais pas si ça fait plus de précision. Je pense pas, non. Il a l'air d'y avoir personne. Faut que j'avance, c'est ça? Faut que je m'avance pour que ça soit plus dangereux. Ah, effectivement. Parce que je jouais de trop loin. Mais je suis en train de tirer sur le rebord plutôt que de tirer sur les gens. C'est terrible. Moi je suis à l'abri, moi je suis tranquille. Moi ça va là. Pour l'instant on gère, mais baissez pas votre garde. Il prépare quelque chose. Ah, tout à fait, ouais. Il y a que deux entrées, donc ils vont peut-être passer par la deuxième du coup. Oh là, ils ont créé une troisième entrée. Ils sont entrés. Mais bordel, ils passent devant les gens l'attaquent pas, quoi. Non, c'est bien. J'ai vraiment l'impression que moins on bouge, mieux c'est, quoi.
Je sais pas si c'est moi ou le chien qui l'a tué du coup. Ah, ça c'est bien. Ah, lui, il va me sauver. Il n'y a pas le mastiff. Il y a lui là-bas. Ok, c'est mort. J'ai plus que 13 balles, ça va pas le faire. Bon sang. Il y en a plus que ce que je pensais. On est cerné. Okay. On est cerné. Incroyable. Une seule de ces racailles de ruche entre ici. Ah. Ah ça par contre ça va être problématique. Bon après le bolter quoi. Très efficace sur eux ça. Oh c'est... Wow. Non je rigole. Je crois qu'il est mort. Non il est pas mort. Il est pas mort, il est juste énervé. Tu sais pas où aller hein. C'est compliqué hein. Salut. C'est nous qu'on a les munitions. Jamais vous pourrez entrer. Aïe. Ça pète de partout. À l'aide. Ok. Qu'est-ce que quoi qui se passe là? Leur tarde est mort. Ils avaient tout planifié. Quel sale diable. Ils ont une espèce de foreuse. Qui est encore dans la citadelle? Comment ça leur tarde est mort? Verrouille l'entrée. Attends, le guilder est mort? Ah, faut que je revienne dans la mission, je crois que c'est pas par là. Oula, ça a lagué. C'est bon. Monte là-haut, merci. C'est vrai. Il y avait des gens qui me poursuivaient là et ils me poursuivent plus. Ok. Après oui, ils trichent, ils sautent haut. Ok. Meurs. Oh le bolter. Quel bonheur. Encore? Ça s'arrête jamais cette invasion là. Mais du coup, est-ce que... Ah oui, mais... Oui, ça s'ajoute. Il a une tête de gros bébé, regardez. Il est mort, le gros bébé. Pan. Ah, petit cri de Wilhelm là, il m'a reconnu. Vous ne passerez pas. Yeah.
T'as voulu me tuer, hein. T'as voulu me faire mal, hein. Ta mère. Oh, je l'ai grappiné, lui. Super efficace, le F. Hein. Là, plutôt content. Et du coup, je vais pas être payé encore. C'est incroyable. Vu qu'il est mort, je vais pas être payé. En plus, je tue mes alliés. Et du coup, repliez-vous, je veux bien, mais. Oh, la pluie de loot là! Incroyable! Je me fais doucher dans le loot. Ouais, tranquille. Ouais. Ça se passe bien, mec. Alors, amène-toi dans le grand hall. Trouve ouais. Sors-le d'ici. Le temps presse. Mais il est pas mort. Je croyais qu'il était mort. J'ai envie d'avoir du loot. Laissez-moi du loot. Ah, gros bébé est mort. Ok. Bon, bah, on avance. Hein. Sinon, je vais rester des heures. Hein. Mais je croyais qu'il était mort. On m'a dit il est mort. Il est pas mort. Ah, loot. Oh, beaucoup de loot. D'accord, c'était à ça que servait mon truc de butin. Ok. Je prends des munitions parce que j'ai un petit peu un petit peu tout défoncé. Ouvre-moi la porte là, dépêche. Ouvre. Toi le guilder là. Déjà t'as rien foutu. Attends, faut que je te protège là. Qu'est-ce que tu fous? Ah, passage secret. Tout bon guilder a son passage secret, bien sûr. L'ambiance du jeu, l'ambiance du jeu. Ah. Ah, c'est un sniper qui s'est pas tiré. On dirait moi. Vous croyez que des racailles de ruches comme vous vont réussir à me passer dessus? Vous savez pas ce que vous faites. Oh, je t'assure. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et pourquoi? Tu as quelque chose que je veux? Sûrement pas. Le guilder reste avec moi. Oh, pas lui. Enfin, lui aussi. Mais toi, tu as quelque chose que je veux. L'implant dans ma tête. Alors tu devras me tuer pour le récupérer. Effectivement. Vu que c'est coincé à l'intérieur de ta tête. Ah oui, bah oui, c'est l'implant. 100% l'implant. Effectivement. Vu que c'est coincé dans ta tête. Ou allez, tire. Ok. Eh, hey, si ça c'est pas une référence au Seigneur des Anneaux, les potes. Genre le pont là. C'est exactement le même pattern. Hein. Après, ils se font tous un peu référence, j'ai envie de dire. Hop là, Edun. T'inquiète. Donc ça sera de la sortie sûrement. Bonjour. Tu sais que t'as plus de bouclier là. Avec un peu plus d'armure et de vie, ça passe mieux. Hein. Salut. Bah non, hein. Tu sais toujours pas viser en fait. Mais attends. Ah mais t'es là. Salut. Excusez-moi. Hein.
Ça c'est trop bien pour casser les shields. Ah, revenez à Martin Rosen. Déjà ? Protéger le leader. Bonjour toi. J'ai passé ce passage tellement facilement. Bon ok. Eh bien, Scar Machina, 59 de dégâts. 66. On va le laisser. On va le laisser là. Ça va servir de. D'argent, du coup. La tech. La mission était courte, hein. Je vais en faire une deuxième pour. Pour YouTube. Sans couper. Incroyable, on fait deux missions sans couper. Rendez-vous compte. Ok. Et ça, on vend. Quitter. Oui, on les vend. Oui, 8000. Incroyable. Je vais me faire taxer encore. Combien ? Classe B. Ah, j'ai eu un S quand même. Hein. Pas de frais médicaux, ok. Coffre au trésor. Ah oui, il faut trouver tous les coffres au trésor pour pouvoir monter classe S. Et style de combat. Style de combat, je comprends pas. C'est la variété de ce que j'ai fait, je comprends pas. Le style de combat, je comprends pas. Moi, pas comprendre. C'est le nombre d'ennemis que je tue, c'est quoi ? Je veux savoir. Martyrzen. C'est le meilleur endroit pour vous pour l'instant, Virax. Se cacher à la vue de tous. Vous savez qui vous pouvez remercier ? Tant que la cupidité règnera, la guilde restera visible. Peut-être, mais je n'ai jamais entendu parler de cupidité plus grande que celle d'un guildeur, Virax. Et pourquoi vous ? Et votre frère ? Alors écoutez bien. Mais n'en soufflez pas à voix quiconque, Jericho. Sommes-nous d'accord ? Oui. Ouais. Très bien. Il y a environ un an, okay. De marchandises recherchées ont commencé à apparaître. Il y avait des rumeurs sur un dôme perdu qui avait été retrouvé. Les prospecteurs en nombre n'ont pas tardé à faire éruption. D'ailleurs, beaucoup de choses de valeur ont été retrouvées. D'une valeur surprenante. En vous regardant, vous et vos bioniques, ça ne me surprendrait pas si certains d'entre eux venaient de là. Enfin, bref. Mon frère et moi avons essayé de réguler le commerce, comme il se doit. Évidemment, nous avions besoin d'une protection pour une telle entreprise. C'est toujours le cas, mais plus que d'habitude. Et puis, mon frère a été tué, et depuis, l'anarchie règne. Ouais. Donc là, c'est juste une guerre de... Vous savez qui l'a tué ? Non. Mais je sais que ce n'était pas sur une simple impulsion ou par hasard. Il y a toujours des hors-la-loi, mais ils étaient plus nombreux que d'habitude et mieux organisés. Quelqu'un leur donnait des idées ambitieuses. Quelqu'un de rusé. Vous avez entendu les gens parler de Silver Talon ? Oui, et il ne fait aucun doute que c'était lui. Mais qui est-il vraiment ? Je n'en ai aucune idée. Eh... Hey. Il y a des enforceurs dehors qui cherchent quelqu'un, et je crois que c'est vous. Des enforceurs, carrément ? Ah, voilà. Ah bah oui, son escorte. L'heure de mon départ est venue. Vous ne me reverrez pas tant que la situation restera dangereuse pour moi, mais vous aurez une forte récompense si vous faites ce que vous dites et trouvez la personne qui a tué mon frère. Eh, hey, chacha. Des enforceurs à ma porte, c'est pas bon pour le business. Ah, c'est vrai. Faut que tu te pousses ma pépette. J'ai plus accès à ma souris. Merci. Ok. D'aller voir le vieux. Mais t'as entendu parler de ce dôme qu'ils ont trouvé ici il y a quelques années ? Ah ouais. Okay. Le Cold Black. Cold Black. Okay. Le Cold Black. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont commencé à l'appeler. Tu vois, apparemment, c'était le niveau noir d'un dôme du nom de Torian Gamma 5. Enfin, un truc comme ça. Mais tout le monde s'est mis à l'appeler le Cold Black. Torian Gamma 5, c'est pas une planète qui a été infestée par les tyrannides ? Pour l'archéotechnologie ? Non, non. Personne ne se préoccupe de ça par ici. C'est le quotidien. Mais beaucoup de trucs bizarres ont commencé à être découverts. Encore plus bizarre que le second best que tu vois. Évidemment, bizarre veut dire rare. Et rare veut dire précieux.
Alors beaucoup de gens ont commencé à chercher. Mais ils se sont mis à revenir avec des histoires. Ou à ne pas revenir du tout. Quel genre d'histoire ? Oh, ils ont ramené des tyrannides avec le dôme. 100%. C'est pour ça qu'il y avait un gros tyrannide dans le réacteur. Sur quoi ? Sauf que c'est deux Gilder manigancés. Alors si tu te poses des questions sur la raison de l'assassinat de Maro, eh bien, la réponse pourrait bien être quelque part par là-bas. Et comment est la situation là-bas maintenant ? J'ai entendu dire que depuis que Maro a été abattu, la plus grande partie de ce territoire est passée aux mains des Orlocks. Apparemment, un gang nommé les Scrapjack en a pris presque tout le contrôle. Ok. S'ils ont un peu de jugeote, ils ne traîneront pas dans les parages. Yo, Portal. C'est pas de mal d'en contrôler tout de même l'accès. Ok. Ils ont 100%, ils ont ramené des tyrannides avec le dôme. Oh là 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 là. L'enfer. Ça va et toi ? On Torbjorn. Sans moi, il aurait eu du mal. Bref, écoute, t'as entendu parler du Cold Black ? Oh oui. Tu y as été ? Non. Et je risque. Ah bah nickel, Portal. Incroyable. Mais tu sais où c'est ? Ouais. Et je te le dirai. Pour que tu t'en approches pas. C'est pas ce que je veux. Amène-moi là-bas. Oh, vraiment ? Oui. D'accord. Mais pas jusqu'au bout. J'entre pas là-dedans. Ok, à savoir que. Ils sont pas censés savoir ce que c'est que des tyrannides dans ce monde, dans Necromunda. Mais je pense clairement que dans le dôme, parce que la planète qu'ils ont dit là, c'est, il me semble que c'est une planète qui a été infestée par les tyrannides. Et j'ai besoin que tu jettes un œil. S'ils ont ramené des choses de là-bas, ça va être des tyrannides. Nombre de recharges plus 1. Ah, c'est intéressant ça. L'heure férique, ça fait quoi ? Un système d'attraction magnétique qui permet aux chasseurs de primes d'attirer les métaux précieux trouvés dans le sous. Ok. 2400, on va prendre. On va prendre ça aussi. Ça m'aide beaucoup à casser les shields. Émet une impulsion d'énergie électromagnétique qui circonstitue le système d'énergie, désactive le champ de force ennemi. En vrai, ça c'est hyper important pour moi. J'ai pas. On va prendre ça aussi. On va prendre les petits trucs comme ça là. Pour avoir un petit peu tous les trucs de débloquer. Explosion, choc. On va se broyage à prendre. Ok, on va faire ça comme ça. Et on est plutôt pas mal. Et est-ce que j'ai des trucs à vendre ? Montre-moi ce que t'as. Avant de repartir. Non, à vendre, j'ai dit. Non, j'ai rien à vendre parce que j'ai fait déjà le truc, donc c'est bon. On est bon. Du coup, on se casse. Mission. Ça veut dire quoi, neutre ? Mission 7. C'est parti. On a fait la 6 et la 7 du coup dans cette VOD. Enfin, on fera du coup la 7 aussi. On va la faire là, quoi. C'est ça que je veux dire. Et voilà. Quoi, ça va être bien, ça va être bien, je garde ça. J'ai pas utilisé de soins, je vais prendre une grenade en plus. On est parti. On est parti du coup. Incroyable. Mec, hier, Portal, le scrim, on s'est encore emmerdé. Hein. On a fait un scrim à l'imprévoiste et on s'est encore emmerdé, gros. On affrontait les mecs qu'on doit affronter la semaine prochaine du coup. Tu veux mon avis ? Reste aussi longtemps que possible. On est déçu de pas être resté dans la division qu'on était quoi, parce qu'on y était bien quoi. C'est là. Quelques signes de leurs allées venues. Je continuerai à surveiller ici un petit moment, mais tu seras tout seul. Ok. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui te fait si peur? Ça peut pas être pire que nos ennuis actuels. Bah, si c'est ce que je pense, si ça peut être pire. Oh là 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 là. Allez. Ils t'ont prévu une tête de rechange, mec. Ok. Tout va bien, du coup. Oh, je sens mal cette histoire. Ok. Y a rien par là. Apparemment, pour faire du S dans l'émission, faut que je trouve tous les coffres. On va pas essayer de faire du S, hein. En vrai, vas-y, on n'essaye pas. Bon, fou. On tombe sur un truc, on l'a et puis basta. Par contre, merci beaucoup. Tu sers qu'à ça. Aïe aïe. Mais grappine, idiote! Mais. Non, du coup, je suis tombé, ça m'utilise un Steam. Bah ouais! Oh l'enfer! Mais. Voilà, je voulais juste aller là, moi. Et un coffre. Par contre, ça c'est abusé parce que juste tu tombes dans le vide, au lieu de te bouffer de la vie, un petit peu de vie, ça te bouffe complètement un Steam. Et du coup tu niques ton rang quoi. T'as pas droit à l'erreur. Hein. Quoi? Mais j'étais dessus. Touche-toi le cul, quoi. Ok. Le fait que j'absorbe de plus loin aussi, ça va m'aider, ouais. Je me méfie quand même, hein. Là. Ah! Ok. Merci bien. L'armure m'aurait emmerdé sinon. Mec, je tire dessus, il réagit pas quoi. Ça, c'est pas cool par contre. Ok. T'as encore envie, toi. Coup de bolter. Et ça dégage. Hein. C'est bon, la racaille, là. Ouais, à vous la prime. Ouais. Ah, je peux pas interagir tant que je suis attaqué. Ok. Ah bah oui, un Steam. Quoi, je suis encore emporté, hein. Comment ça? Je mange pas, je peux pas interagir, là. Blablabla. Ok. Pourquoi je peux pas? C'est incroyable du cul, ça. Ah, parce qu'il me faut ça, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'était pour ça, d'accord, ok, ok. Fallait que je rassemble les trucs, je croyais que c'était des Steam, mais en fait non. D'accord. Pourquoi je peux pas grappiner là? Incroyable.
Non. Intéressant cette chose. Là, ça commence à faire peur par contre. Commence à faire peur. J'aime pas trop ça. Hein. J'aime pas ce bruit du tout. Je connais ce bruit. C'est du tyrannide. C'est des tyrannides, bordel de merde. Hé, coucou, gars. Non, mais c'est 100% des tyrannides. Cassez-vous. Regardez-moi ça, là. Putain, ils ont ramené des tyrannides avec leur dôme de merde, là. Non mais, déjà c'est trop bien fait, c'est chiant. Ok. Et plus gros que gros lui. D'accord. Ok. Je me suis fait bait. Ok. On va falloir encore que je trouve les trucs. Ça marche. Tac. Tac. Du coup, j'en ai encore un sur moi. Ok. Oula. Plein de munitions là, ça me plaît pas beaucoup. Hein. Ça veut dire que... Je dois sauvegarde en cours. Ouais, ouais, ouais. Je dois me battre, ça. J'en connais. J'ai carrément eu un Steam. C'est encore plus flippant. Salut, toi. Me tire pas dessus, hein. Oh. J'ai vu Alien, hein. J'ai vu Alien, ça se passe pas bien, hein. Oh. Il y a des œufs de tyrannides partout. Oh. Je reconnais ça. Quoi? Quoi? Non, 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 non. C'est quoi ces conneries? Pourquoi j'ai mal comme ça? Ah, c'est l'acide! Vous êtes qui vous? Mais. C'est une hérésie du chaos, ça, je reconnais! Pas du tout, je sais pas. C'est tyrannite, ça. Ça, c'est tyrannite, on est d'accord. Regarde, c'est du tyrannite, ça. Mais ils se font contrôler par les tyrannites, du coup. Ok. Hérésie du chaos, bande de... J'ai plus de vie. 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 Kit de sang. Faut pas que j'utilise mes kits de sang si je veux faire du S, mais bon, tant pis. Hein. Faut pas du S. Hein. Enfoiré! Dégage! Sale bête! Ok, il est mort. Peut-être falloir que j'augmente la difficulté. Ok. Des tyrannides, bordel de merde. La planète est foutue. Elle est foutue. C'est foutu. Ça va prendre de partout.
Ils vont se démultiplier en masse là. C'est la merde. Faut qu'on se casse. Faut qu'on se casse d'ici. C'est pas où la sortie? Ça c'est d'où je viens, non? Ah c'est pas cool hein. Quoi? Ah ça c'est un œuf, ok. Regardez-moi ça là, mais... Il y en a déjà partout. C'est incroyablement con d'avoir fait ça en fait. Ils se rendent pas compte de la menace que c'est. Non mais ça c'est d'où je viens ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Ok. Je vois que par là-bas en fait. Du coup, c'est ça, c'est là. Ok. Dégage, dégage. Tyrannie de mort. Ok, tout va bien. Putain, tout va mal. Partout de ces merdes là. Qu'est-ce qu'ils ont branlé sur cette planète là pour que ça foute la merde comme ça hein. L'esquive que j'ai faite a été nickel en vrai. Ok, par contre je dois aller où là? Ici? Ah non, peut-être pas, non, ça fait mal ici. Pas ici en fait, du coup. Ah si, il y a marqué explorer en bas. Non, j'ai plus de vie frère, jamais. Ah! Putain! Heureusement que j'ai des armes qui font mal hein. Mais t'es devant, t'es derrière, t'es où? Ah bah oui, il faut que j'aille là. Mais pourquoi il m'a dit non tout à l'heure? Pourquoi il m'a fait mal tout à l'heure? Salaud. Putain mais regardez-moi ça, la planète elle est infestée. Faut un exterminatus là, c'est plus possible. Faut détruire la planète en fait. Ok, c'est loin d'être par là. Par contre, je vous avoue, ça a l'air de... Ça a l'air d'être des adoratoires du chaos qui vivent ici, hein. C'est terrible. Moi je dis, on appelle les Space Marines. Hein. Et j'en ai sur moi. Pardon. Ah! Putain! Mais... Bordel de merde. C'est un jeu d'horreur en fait, c'est pas un FPS. Dégage. Mais pourquoi il se crampine pas là-haut là? Grappine. Idiote.
Non, c'est bon, je rigole. Je... Dégage. Mais putain de saloperie. Non, mais il y a des sacrifices et tout. C'est 100% des trucs du cas. Mais où sont les trucs pour ouvrir? J'en ai ramassé deux normalement. Dégage. T'es blablabla. Ok. Mais t'es pas censé faire blablabla. T'es censé faire cool, je le trouve. Meurs là. Mais pourquoi ça grappine pas là? Bon sang de bois. Ah non, dégage. Mais j'ai un problème de grappinage. J'ai l'impression que il me repère que si je suis sur le sol. Du coup, si je me repère en grappinant les textures, ça passe. Mais si vous voyez les si vous voyez des trucs, dites-moi, parce que là je vois rien. Je dois récolter des trucs comme ça là, ici, et les poser là. Putain, t'es grand mort. Mais ah d'accord, fallait tuer tout le monde. Oh. Ils disent pas tout aussi. Elles arrêtent pas de s'enfuir, elles sont chiantes. Mais apparemment j'en porte deux, alors pourquoi j'ai pas pu... Ok. Bon, il m'en faut encore un alors. Il m'en faut encore un. Ok, il est là. C'était par où l'entrée? Pas par là. C'était là. Ah, je peux plus emporter donc. Il y a un coffre. Il y a un coffre derrière là. Non, au-dessus. Pas du tout. Un Steam, ok. Il y a un coffre, j'entends un coffre. Non mais j'entends un coffre là. Je veux y aller. Pourquoi je peux plus? Non! J'ai failli mourir. Ok, c'était là. L'entrée était là. Mais j'ai vraiment entendu un coffre. Il veut plus. Oh, la musique là, elle dit vraiment là, tu vas en chier, mec. Qu'est-ce que je disais? Bande de cons.
Je vous affronterai à ma manière. Pas de soucis mon pote, je te prends. Quand tu veux. Je vais retomber sur un bout à disque. Non, un bout à disque, c'est dans les arbres. Oh, je... Je vais voir l'exécution sur... Ah oui. Excellent. Excellent, je suis mort. Excellent. Cassez-vous. Bon. Oh là 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 là, mais c'est nul. Ça, t'es mouré. Au secours. J'ai fait bugger le jeu. Oh. Au secours, j'ai fait bugger le jeu. A l'aide, à l'aide, à l'aide. Aidez-moi, j'ai fait bugger le jeu. De toute façon, fin de la VOD. On se retrouve dans la prochaine. Fin de la VOD. Ça fait deux missions et... Tyrannide, je l'avais dit, hein. J'avais dit, hein.